Bonsoir à tous, nous sommes à Séville, installés dans les tribunes de l'Estadio Benito Villamarine, pour être précis. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la Reine des compétitions, l'UEFA Champions League. Le Betis affronte le PSG. Quand une équipe de ce niveau fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation. Tu as une énergie, une volonté de bien faire. L'ambition et les rêves n'ont pas d'âge. C'est le premier ballon dans ce match. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Les joueurs qui débutent côté PSG. Dans le but, on retrouve Donnarumma, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Fabien Ruiz sera épaulé par Marco Verratti au milieu. Et enfin, Léo Messi pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Et ici l'occasion pour mener. Bien défendu, mais le ballon revient. La trajectoire du ballon interrompue en pleine surface et du coup ça fait hors-jeu. Évidemment, c'est la déception qui domine, mais il y a quand même des choses encourageantes. Il faut oublier ce match et se focaliser sur le futur maintenant. Renato Sanchez. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Neymar, parce que tous, on connaît son génie. Et oui, meilleur buteur du club. Et ce qui est... Ouh, attention, ça bouge là! Oh oui! Ce but, avec cette reprise de volée, il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. On revoit ce centre qui passe au-dessus du défenseur et qui va chercher son coéquipier au deuxième poteau. Et ensuite, son corps est bien placé en équilibre. La reprise des volets, c'est du tempo et de la coordination. C'est reparti avec le Betis, mené d'un but. On attend la réaction maintenant. Le ballon pour Neymar. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Oh là 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 ! Et à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Juanmi. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Très bonne défense, sans faire de faute. Neymar. Oh, attention à ce ballon. Eh, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ça sort et corner pour Paris. C'est bien parti pour ce corner. Et ça joue avec Neymar. Quelques secondes pour temporiser. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ouais, c'est très bien défendu. Le Paris Saint-Germain a plus souvent le ballon que son adversaire et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse.
Eh oui, il y a peut-être une nouvelle situation intéressante. Attention, la Renato Sanchez. Direct sur le montant, ballon toujours en jeu. Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Et ça lui rend bien service, ce petit coup des mains pour mettre fin à cette offensive. Et il prend sa chance de loin et le ballon bien claqué par le gardien. Et ce sera donc un corner. Un corner qui est bien ajusté. Le ballon est mal renvoyé, ça peut profiter à l'adversaire. Le ballon pour Marquinhos. Le ballon rendu à Marquinhos. Et l'arrêt sans difficulté pour Rui Silva. Et oui, le coup de sifflet là, c'est un coup franc pour Paris. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Borja Iglesias. Le ballon pour Nabil Fekir. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Renato Sanchez. Ah, c'est pour Lionel Messi. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. La contre-attaque est finie, mais le ballon est toujours en leur possession. Et Marquinhos s'impose. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Il n'y a que des éloges à faire sur Kylian Mbappé. Un nouveau match de très haut niveau de la star française. La différence dans le foot, ça s'est fait souvent avec le dribble, le mensonge du corps, le contre-pied pour déstabiliser ton adversaire. Il a tous les ingrédients pour aller marquer en deuxième. Une avance bien confortable pour le Paris Saint-Germain. C'est le début de la deuxième mi-temps. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Fabian Ruiz. Le ballon pour Renato Sanchez. Un ballon récupéré. Oui, dans la profondeur. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Borja Iglesias. Et duel remporté dans la surface. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et le contre était bien parti mais ne donne rien. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Avec Kylian Mbappé. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et quelle efficacité, quel sens du but, voilà, un troisième but d'avance. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. C'est parti dans cette rencontre avec donc les 3 buts d'avance pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, facile, ça passe. À la conclusion peut-être sur ce ballon. Oh, c'est dedans, but! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Attention à ce ballon dans la profondeur. Ouais, l'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème des synchronisations. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. La bonne ouverture, magnifique. Excellent timing à la réception. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Des possibilités pour Léo Messi. Il prend sa chance de loin. Ah non, c'est contré. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Eh oui, hors-jeu, il y a hors-jeu sur ce ballon, c'était pourtant bien vu. L'appel aussi était impeccable, mais la passe a trop tardé. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Peut-être un coup à jouer pour Neymar. Ah non, finalement le ballon est perdu. Avec Kylian Mbappé. Attention à cette frappe. C'est contré sans problème. Et ça joue avec Neymar. Et attention là Neymar. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Ah, c'est une passe en profondeur dangereuse, mais bien interceptée. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. Et c'est Neymar qui mène cette attaque. Attention, Kylian Mbappé. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Regardez, il est magnifique ce coup passe laser. Il est télédirigé. Et il vient ouvrir tout à la défense. Et ce geste de grande classe est pour finir. Petite pichenette, tout en tendresse au-dessus du gardien. Il y a de l'amour dans son but. Pour un capitule, ça fait donc 4-1. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. La fin du match est donc une victoire du Paris Saint-Germain qui démarre idéalement son parcours en Ligue des Champions. Excellent départ dans la compétition. Une victoire pour leur premier match, c'est une manière d'avertir leurs rivaux potentiels. Ils sont prêts et déterminés.